Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un horaire un petit peu chamboulé, mais c'est pas grave. Alors à qui la faute du fiasco de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France? Réunion de crise ce matin au ministère des Sports. Alors autour de la table, il y aura tout le monde. Hein. L'UEFA, la Fédération Française de Foot, la Préfecture de Police, le Stade de France, la mairie de Saint-Denis, et évidemment la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra. En fait, on aurait peut-être dû commencer plus tôt par ce genre de réunion, plutôt que après coup, dire tout et n'importe quoi dans tous les sens. Bah c'est sûr que ce sera plus utile que d'accuser les supporters anglais d'être la source de tous les maux. C'est presque un réflexe en France de pointer du doigt le comportement des supporters. Alors parfois, à raison, on l'a encore vu hier soir à Saint-Etienne, j'allais vous le dire, avec l'envahissement de la pelouse, les jets de fumigène à la tête des joueurs, inacceptable et dangereux, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais je vois pas bien le rapport avec ce qui s'est passé au Stade de France. C'est pas un fiasco des supporters, mais de l'organisation. Tous les témoignages concordent. Dès la sortie du RER, c'était n'importe quoi. Des goulots d'étranglement qui empêchent la foule d'avancer, des supporters avec billets empêchés de rentrer dans le stade, des gens sans billets qui escaladaient les grilles, des policiers qui faisaient usage de gaz lacrymogène à tort et à travers, le chaos en mode vision, et on peut s'estimer heureux que ça ne se soit pas plus mal fini. Alors, vous disiez, à qui la faute? Il va falloir dépasser le simplisme de bas étage. Non, les supporters anglais ne sont pas une bande de hooligans assoiffés de bière et de bagarres qui veulent tous rentrer sans billet. Liverpool a participé à plusieurs finales de Ligue des Champions ces dernières années, et c'est la première fois qu'on assiste à cette pagaille. L'exemple anglais des tribunes, on l'utilise vraiment quand ça nous arrange. Alors pourquoi n'a-t-on pas su gérer? Ensuite, les jeunes locaux, puisqu'ils parlaient français beaucoup mieux qu'anglais, on l'a entendu, qui eux cherchaient à rentrer sans billet, ils profitent de la caisse de résonance de cette finale pour semer le chaos. Mais pourquoi ils arrivent jusqu'au stade? Pourquoi il n'y a pas de cordon de sécurité plus éloigné? Et puis, ces policiers qui utilisent leurs lacrymos plus vite que leur ombre, est-ce qu'ils sont formés à la gestion des supporters, au mouvement de foule d'une finale? On peut aussi en douter. Oui, puis pourquoi il n'y a pas de policiers sur le chemin du retour vers le RER, où là, vous avez plein de gens qui se sont fait voler, qui se sont fait racketter, qui se sont fait violenter. Bon, bref, la France, Virginie, doit reconnaître ses erreurs pour avancer, parce que Paris 2024, l'air de rien, c'est dans 2 ans. Oui, et remettre la faute sur les autres ne nous avancera strictement à rien dans l'optique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, dont la cérémonie d'ouverture, on le rappelle, aura lieu en pleine ville. Ce qui semblait la meilleure des idées peut faire un peu peur aujourd'hui. Serons-nous capables de gérer? Alors, les données sont quand même très différentes entre des Jeux Olympiques et Paralympiques et un match de football. Parce que ce qui pose problème, c'est la question des supporters. À force de ne pas s'occuper de cette question, les pouvoirs publics se retrouvent démunis. Quand je dis qu'on ne veut pas s'en occuper, je parle de ces arrêtés préfectoraux qui interdisent semaine après semaine le déplacement de supporters. Et à force d'interdire, on ne sait plus faire. La France ne sait plus gérer les déplacements de supporters. Alors allons-y, analysons tous les manquements à tous les niveaux, que chacun reconnaisse ses erreurs. C'est le seul moyen de pouvoir les corriger. Il reste 2 ans avant Paris 2024 et une éternité avant la prochaine finale de Ligue des Champions en France. Merci beaucoup Virginie Fulpin. On débriefera en profondeur ce qui s'est passé samedi soir tout à l'heure dans Europe 1 2022 à 8h40. Merci Virginie, bonne journée à vous.